Bonsoir, mon salaud. Bah, on vient pour l'entretien là pour devenir directeur. Faire de quoi, monsieur? Bah, on est où ici, à l'église? On va devenir directeur, Tony Montana. Alors, comment ça se passe? Il était un petit navire, il était un petit navire, qui n'avait jamais navigué. Oh, fils de pute. Et bonsoir, c'est là, monsieur, oui? Ouais, ça va. Arrête de me rentrer dedans, enculé. Oh, excusez-moi, attendez, je vous rattrape. Hop là. Oh, pétard. Ça va, toi aussi, t'es dans la merde comme moi? Saviez-vous, c'est pas que l'homme que la merde, quoi. On chantait, c'est quoi votre prénom, là, oui? Attends, je regarde ma carte d'identité. Je m'appelle Jackson Taylor, monsieur. Ouais. T'as mis le bon tu? M'appelle Frédéric. Moi, j'ai envie de te boxer, fils de pute, va. Tu me chauffes comme ça, d'entrée de jeu, tu vas te calmer, gamin. Hey, t'appelles comment, toi? Frédéric. Pourtant, je suis pas riche, quoi. Frédéric? Ouais, Frédéric Roberto. Mais y'a rien qui va, qu'est-ce que tu me racontes? Et il s'est passé quoi, là? Tu fais quoi, à Los Santos, là? Ouais. Bon, alors, on appelle un taxi, viens. Ouais, on va appeler un taxi. C'est toi qui t'es enculé, va. Hey, j'ai pas de carte d'identité, moi. Comment ça, t'as pas de carte d'identité? Ben, je vous explique, moi, c'est vraiment que vous dites, c'est. Voilà, c'est-à-dire, c'est la Hesse. Oh non, putain d'immigré. Oh, bordel de merde. Oui. Et il s'est passé quoi dans ta vie pour que t'en arrives là? Ben, oui, c'est-à-dire, j'étais au Maigret, bruit. C'est-à-dire, j'étais au Maigret, mais. Attends, bouge pas, je vais arrêter une voiture. Enculé, viens là! Arrêtez-vous! Arrête-toi! Oh, mon bitch! Oh putain, oh pétard! T'appelles comment déjà toi? Moi c'est Frédéric. C'est bon. Appelle-moi Roberto. On est lié par le sang, du coup c'est bon, ok. Pas de soucis, on a mélangé notre sang sur le boudron, c'est bon alors, on est ensemble. Et toi, c'est quoi ton prénom? Taylor? C'est Jackson Taylor, JT pour les intimes. Ah d'accord, JT. Ouais. Allez. Oh pétard! Ah ouais, mais ça c'est pour mêler notre sang, viens, on mêle notre sang. C'est-à-dire, comment on mêle pétard de merde, ouais. Faut qu'on mélange notre sang, quoi. Oui, c'est vrai. Tape-moi. Faut mélanger le sang un peu comme. Quoi? Ok, c'est bon. Oui, ça va comme ça, oui. Frotte-toi. Front contre front. Ok, on a mélangé notre sang, c'est bon, on est ensemble. Attends, on va bien mélanger. Allez, viens, on y va. Hop là, on mélange notre sang. Vas-y. Là, je vais t'enculer, gamin. J'aime pas de maison, monsieur. Mais t'es comme moi, là. T'as pas de maison, t'as pas de voiture. J'ai pas de voiture, j'ai pas de carte d'identité. T'as une femme? J'avais. D'accord. Viens, on va essayer de trouver une voiture, là. Moi, je sais que boire, moi. Le seul verbe que je sais accorder à toutes les conjugaisons. Je bois, tu bois. Il boit, nous boivons, vous boivâmes. Il boit rire. Il boit. Ah, j'ai oublié. Et toi, tu fermes ta gueule, surtout. Ça, c'est pas mal, ça. Ça fait 25 ans que j'ai pas couru, putain de merde. Fils de... Oh, putain. Attention. Oh, mais j'ai glissé sur toi. Aide-moi. Eh, monsieur, s'il vous plaît, aidez-nous, là. Bah, société de fils de pute, va. Je la baisse ta caisse, moi, fils de pute, va. Et moi, j'en ai... Nique-le. Roberto, Non. Ça va. Je suis à un poil de... Viens, on va sur le trottoir. Il me faut une bière, là, parce que... Viens, on va sur le trottoir. Il me faut ma bière, mais... Bande de fils de pute, tiens. Tu les tarasses, va. Tiens, prends ça dans ton cul, va. Qu'est-ce qu'il y a? Faites attention à JT, bande d'enfoirés, mais... Tu faisais quoi au magasin, là, ou je sais pas quoi, là? Tu venais du magasin, je sais pas quoi, là. En gros, j'étais... Là-bas, j'étais... T'es un grand buveur d'une boisson qui s'appelle le Miranda, Attends deux minutes, là, gamin. Attends, je pisse un coup. Il est long, ça. Pousse-toi, putain. Oh, mon Dieu. Il est con, lui, mais il est con. Mais putain, mais t'as mis partout, là. Oui, c'est désolé. Bon, alors, du coup, tu viens d'où? Mais range-le, Il arrive pas, putain, j'ai une grosse bite. Oh, mon Dieu. Bon, c'est pas grave, je vais pisser dedans. Ouais, dis-moi. Moi, il a été circoncisé, donc, oui. Comment ça, circoncisé? Il était circoncisé, il a été... Ouais, tu veux quoi, tu es, là? Tout fiasse, là. Pétard. Ah, t'as déconné, là? Non, j'ai pas déconné. Qu'est-ce qu'il y a, là? Elle nous a rien fait, la petite dame, là. Oui, fallait pas qu'elle me regarde comme ça, là. Mais attends, mais vous aimez pas les femmes dans votre magasin ou quoi, là?
C'est-à-dire que là-bas, les femmes, c'est on a plaisir. Donc là, une femme dit perdue, plaisir de retrouver, oui. Ouais. Pas si elle t'a occupé, c'est ça, ouais. Genre, elle te raconte, elle a un travail. Bah ouais, je suis au chômage, et alors ouais. Ah, tes souhaits. Attends, tu frappes dans le dos, là. Attends. Sérieux, mais putain, mais c'est bon. Oh, je t'en ai mis une bonne dans le pif, là, je crois. Roberto, non, me dit. Roberto, mais réveille-toi, putain! Mais non, c'est pas possible. Oh, putain! Oh, déjà. Attends, je vais essayer un truc, vas-y, bouge pas. C'est te réveille, ça, normalement? Bordel de merde. Ils arrivent, tu penses? Eh oui. Oh, bah, c'est parfait. J'espère que t'as de quoi payer les frais, connard. Oh, merde! Eh, ma vie, elle se portait super bien jusqu'à que je te croise, enculé. Bah. Petite pièce, s'il vous plaît, je suis dans la merde. S'il vous plaît, madame, pas comme s'il n'existait pas, je suis pas un putain de fantôme. Putain, Hey, toi là! Hey, fais pas comme si tu nous avais pas vu, enculé, Et t'as pas vu que mon pote là, il est complètement défoncé là? J'ai rien à branler, moi. Comme ça, t'as rien à branler, tu t'appelles comment, toi? Connard, Je suis pas. Il m'appelle Serge. Ta gueule, Comment ça, c'est mon pote? Attends, fils de pute, fils de pute, Oh l'enculé! Non, je vais te couper, fils de pute, T'es sérieux là? Hey! Attends que je finisse ma bière, enculé, tu vas voir! Vas-y, moi je vais me filmer une pilote. C'est votre bénin. Et qu'est-ce qui arrive à votre collègue? Je lui ai mis une patate pas deux à mon collègue. Tu vois pas que c'est un clochard? J'essayais de le réanimer comme je pouvais, mais bon. Oh merde. Je débarrasse ses affaires de clochard là. C'est une petite épée de lui. Attends, mais t'appelles comment toi? Hop, j'aime pas trop qu'on parle quand je fume la cigarette. Mais moi, t'aimes pas trop qu'on te parle, trop que t'as le choix, enculé ou quoi? Réponds-moi maintenant. Je m'appelle Serge. Serge comment? Serge le Baiser. C'est comme ça qu'on m'appelait. Serge le Baiser? C'est comme ça qu'on m'avait appelé. Jackson Taylor, monsieur, mais tout le monde m'appelle les JT. Je m'appelle Brown. J'apporte que Serge des mauvaises nouvelles, c'est pour ça qu'on m'appelle comme ça. Ah ouais? Ouais, mais faut pas trop traîner. Allez, je vous ai d'abord enlevé. Mais c'est bien doux, c'est une gueule. Du côté de. Du côté de la poubelle, hein. Vu ton odeur de chacal. Roberto, ça va? Tu t'en sors, enculé? Ouais, ça va, enfoiré. Mais pourquoi tu m'as frappé comme ça? Et parce que tu m'as poussé ma binouse à éclater le trottoir, là. Et c'est qui ce clochard, là? Serge le Baiser. Serge le Baiser. Et t'es qui, toi? Enculé, t'es qui, toi? Je sais pas, j'ai jamais vu sur mon territoire. Fils de pute, tu parles pas comme ça. C'est ton territoire, là. L'aéroport, c'est le territoire à tous les clochards de Los Santos. Et j'en fais partie. Non. Roberto. Paye le monsieur, là, on te casser les couilles, paye le monsieur, allez. Avec quel argent? Vous acceptez la merde? Non, j'en ai pas. Je suis désolé. T'as pas une clope, toi? Elle est passée, là. Je suis non-fumeur. Je vous paye. Vous savez quoi? Roberto, je vais te mettre une mandale devant tout le monde, fils de pute. Dépêche-toi de le payer, là. Ok, baisse ton froc, c'est moi qui pilote. Range ton zizi, t'as pas le permis, je connais. Ouh, ça veut jouer à ça. C'est pas l'ami qui fait le moine, c'est chinois qui fait l'ami. Ah oui, tu veux jouer à ça, gamin? Je pense que vous êtes pas le pneu le plus gonflé de la voiture. C'est tombé, on a pas de voiture. Vous êtes pas la chevreuille la plus. Et pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. La facture est à payer à la banque. Quelle banque, là? J'ai pas. Qu'est-ce que t'as à dire, monsieur? Elle va envoyer à qui de la facture? T'inquiète pas, certificatif de domicile, monsieur. T'inquiète pas, t'as pas de domicile, mais t'as un compte bancaire, enculé, d'accord? Ici, c'est le capitalisme avant tout, d'accord? Rien à foutre du reste. Prenez soin de vous. C'est pas fait, un monsieur, il ressemble à moi? Avec une tête de con, il est parti là-bas, là-bas. Dégagez-le. Il était à pied. Ouais, il était à pied, D'accord, merci, au revoir. Qu'est-ce qu'il me raconte? Est-ce que vous voulez que je vous ramène quelque part ou pas, messieurs? Ouais, je veux bien, au commissariat, foutre la merde là-bas, en faire un code d'identité, Mais y'a pas de soucis, allez, je vais voir le compagnon. Ouais, c'est parti, merci beaucoup, monsieur. T'es là, comment il parle? Attends. C'est quoi ton prénom, toi? Tu peux m'appeler Serge. Serge le Baiser, il s'appelle. Hop là, boop. Alex, c'est par patrouille. Eh merci monsieur, en tout cas ça fait plaisir d'avoir des bons samaritains comme vous. Ça aurait été dans une autre époque, dans un autre champ de bataille, je pense que je t'aurais sucé. Non mais... Oh, ce pont-là monsieur. Oh oui. J'ai mon dos qui sort de l'ambulance, donc. Ah oui. Bah lâche ta clope aussi, connard. Non mais j'ai mon putain de... Ah mais ferme la fenêtre aussi, ferme ta gueule en même temps, Serge le Baiser. Ça sent la pisse et la clope dans le... Attends mais tu fumes vraiment dans l'ambulance, enculé? Mais putain, mais aucun respect, quoi. Et jamais sans ma clope.
Jamais sans ta glace, t'as cru que c'était ton gamin, enculé ou quoi? Il a pas tort, hein. C'est un peu comme mon gamin, parle pas d'enfant, putain. Et c'est un baiser, tu dois en avoir des gosses quand même, hein. Ah, sur tous les ports du monde. Attends, t'es en train de baiser ta clope ou je rêve, là? Ah, c'est comme si je la baisais, ma putain de clope. Elle est pas mal, hein. Ouais, elle s'appelle comment, ta clope? Ah, c'est une bonne gueuloise. Une bonne gueuloise, je vois que monsieur est un fin connaisseur. Ah ouais, c'est une bonne gueuloise. Hé, Serge, entre nous, là, tu débarques nous comme ça, là. Je t'ai vu courir comme une gazelle, putain, on dirait que ça fait 35 ans que t'as pas couru, enculé. Bah, c'est normal, je vois avec des putains de cadavres par terre. C'est normal, ça m'a interpellé, j'étais en train de filmer ma petite clope. Et puis je parlais avec le taxi là, la Aziz là. Et puis moi je suis venu là, je vous ai vu par terre là, je... Ouais, enfin tu nous as vu, tu nous as marché dessus, enculé, ouais. Ouais, mais c'est pas de t'as cru que j'étais un paillasson ou quoi? J'ai du mal à le voir. On va baiser là. Comment ça on va baiser? Mais t'es malade. Oh, mais vous allez pas baiser. Alors, on va baiser les flics, ouais, si tu veux, ouais. Je pensais pas, moi, qu'on allait baiser, moi. Mais non. C'est à éviter, ça, hein. Surtout en ce moment. Eh, Serge, tes papiers sont à jour ou quoi? J'ai aucun papier. Eh, Serge, jouer dans la dune. J'ai même plus de compte en banque. Mais comment ça, t'as pas de papier, tu te fous de ma gueule ou quoi? J'ai plus de papier, j'ai plus de compte en banque, j'ai plus rien, bordel de merde. Attends, mais t'as tout perdu comme moi? Moi, tout piqué, j'ai perdu ma femme, mon boulot, mon job, ma vie, mon ombre. Tu veux me faire croire que t'avais une femme, toi, avec ta tête de gland, là? J'en avais même plusieurs, tu sais. Ah ouais, t'étais au courant ou pas? Oh, quelques-unes. Désolé. Ça, c'est le fond du repas de hier. Ah ouais, là, il y avait la trachée, là, de la Deuxième Guerre mondiale. Bah, merci en tout cas, monsieur, ça fait plaisir. Y'a pas de soucis. Allez, soin de vous, bon courage. Dis-moi, Serge, t'as pas une petite bière? Voilà, t'as les Caterpillar à 50 cents, fils de pute, va. Permelette, ouais, clochard. Clope. Et faut arrêter de s'insulter entre clochards, on est des clochards. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Putain. Eh, regardez, y'a un riche là-bas. Viens, y'a un riche. Et on le dépouille, celui-là. Ah ouais, clairement, on va le dépouiller. Eh, viens là, toi, viens là. Espèce de riche, va. Espèce de sale riche, va. Ah, ça se voit que tu payes tes impôts. Ah, mais attends, que j'accélère. Là, je suis en train d'accélérer, j'arrive. Il a les cheveux gominés, ce bâtard. J'active le boost, bouge pas, j'arrive. Eh ben, il met de la crème, lui. Bonsoir, je suis arrivé le premier, putain. Bonsoir. Bonsoir, Serge. Et comment ça fait d'être riche? C'est toi le gagnant. C'est quoi, regarde, t'as gagné. Tiens. Eh, tout se passe, Serge. Il t'a donné combien de bière? Regarde l'étiquette. Il t'a donné combien de bière? Ouais, c'est vrai, c'est parti, c'est la mienne. Alors là, je la partage pas. Bon, ça fait quoi d'être riche, monsieur? Ça fait quoi d'être riche? Ouais, je vois ça. Je paye pas d'impôts, moi. Tout s'appelle optimisation fiscale. C'est ça. Comment ça, vous payez pas d'impôts? Mais là, je vais te bouter la gueule. T'es en train de te payer ma tête, surtout là. On va se faire la guide. Et donne l'argent. Ah ouais, t'as une entreprise de merde. Je viens de te donner une putain de bouteille de whisky. J'en ai rien à branler de ta bouteille de whisky. Moi, je dois aller voir des putes. Comment ça, t'as rien à branler? C'est incroyable, c'est incroyable. T'as rien à branler de la bouteille de whisky? Rends-la-moi la bouteille de whisky. Moi, je vais la branler. Ah, c'est bon, Serge, ça y est, ça y est. Ah, moi, je l'ai. Mais donner, c'est donner, reprendre, c'est voler, ce qu'on m'a appris à l'école. Bah oui, mais réseau. Putain de merde. Parce qu'elle a. Attends, je vais aller pisser, j'arrive. Mais ouais. Attends, mais. Ah, putain. T'as vu, putain. Mais arrête de regarder ma grosse bite, toi, qu'est-ce qui t'arrive? Bizarre, toi. Je suis jaloux. Mais quoi, t'es jaloux? Ouais, c'est bon, en train de. Bon, allez, viens. Ouais. Il y a des flics dans cette putain de maison ou pas? Sexy folie, moi, je te fais une danse pour là, j'ai l'impression qu'ils sont tous occupés, là. Ils répondent pas, là. Ils ont fait une réunion, là. C'est ils ont mis le code noir. C'est putain de raciste. Eh, les mecs, vous avez entendu? Il y a le code noir en ville. Le code noir, je crois que c'est nous. Je crois que c'est pour nous. C'est la traite des noirs, tout ça là. Je crois que c'est pour nous, ça. Je crois que c'est pour nous. Alors là, attends, je vais m'échauffer là, fils de pute, voir qui a m'intéressé. Noir, moi je suis un noir. Eh les mecs, vous avez un Tamagotchi ou un Game Boy pour rester en contact là? Comment ça s'appelle les trucs avec font bibib là? Smartphones? Ouais, les BP, les GSM ou je sais pas quoi là. Les GPSM, oui. Ouais, bah viens, on peut entre où cette merde là? Les PCR. Ouais, les PCR, ouais, les PCR, ouais. Oui. On pourrait trouver monsieur. Normalement, il y a les supérettes, mais j'ai l'impression que plus personne ne bosse en supérettes là. Oh les fils de pute. Peut-être la Nord. Est-ce que la Nord est ouverte? Non, c'est fermé aussi. Tout est fermé, sérieux? Ouais, attends, je bois mon vin. Sinon, il y a l'association Zozo Truc là. Ah non, ils ont changé maintenant. C'est la Fondation La Roche truc là. C'est quoi cette merde, la Fondation La Roche? C'est une petite jeune là qui est généreuse et qui aide les bah, attends, les gens comme vous un peu là. Ouais, mais quand on dit une petite jeune généreuse, moi j'imagine avec un gros cul, des gros bzaises, hein, tu vois ce que je veux dire. Moi, généreuse pour moi c'est ça. Hein. Après, ouais, tu peux être généreuse donc. Vas-y, appelle-la, quoi. Vas-y, appelle-la, ok, je veux bien. Mais là, elle est occupée parce qu'elle est flic à côté. Et là, elle répond pas. Moi aussi, j'essaie de leur parler là. Attends, mais ils sont rayons. Attends, ça veut dire ils s'en battent les couilles de nous, quoi. Ouais, c'est commissariat, je vais le brûler un jour. Ça, faut fumer une clope. Ah, t'as bien raison.
Faites quoi dans la vie, vous? Je pense qu'en plus, regarde, il y a pas mal de bois, ça prend bien, ça prend bien. Moi, je suis directeur du Bahamas. Quoi? Ah, mais ça peut me plaire, moi, je kiffe les whisky, les bières, tout ce qui est alcoolisé, quoi. Tout ce qui pique le gosier, quoi. Un whisky, la Birchmills. Vous connaissez le whisky Birchmills? Écoutez, moi, quand je bois, je regarde pas l'étiquette, je m'en bats les couilles, hein. Ah, bah non, mais attends. Du moment que ça me brûle la gorge, moi, j'aime bien. Ah, bah tu bois de la piquette, quoi. Ouais, une fois, j'ai toi, tu es genre à boire de la villageoise, quoi. Ouais, la villageoise, je la baisse, je la bois pas, par contre. Ah, faut pas déconner, là. Ah, faut pas déconner. Aussi un peu, hein. Ah, vous appelez comment? Moi, c'est Smith, moi. C'est bien d'ici, ça. Vous êtes pas américain, vous? C'est, bah, bien sûr, je suis américain. Jackson Taylor, monsieur. JT pour vous servir. JT? D'accord, vous avez. Je suis sûr que vous avez. Attendez, laissez-moi vous regarder un peu, là. Vous avez servi dans l'armée, non? Comment vous savez ça, vous? Ah, vous. C'est vrai que j'étais chaud. Bah, parce que c'est à chaque fois. Vietcong. Ce qui se passe avec les anciens. Avec les anciens vétérans. Un Vietcong. Deux Vietcong. Toujours tous dans la rue, là. Trois Vietcong. Voilà. Bah ouais, parce qu'on les délaissé, ils s'en battent les couilles de notre vie. Mais oui. Attends, mais Vietnam, mais c'était il y a longtemps, Vietnam. Non, ça c'était mon grand-père, ça. Mais bon, il m'a tellement raconté l'histoire que j'ai l'impression de l'avoir fait, quoi. Que tu l'as vécu, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il est où, ce grand-père, maintenant? Il est mort, le grand-père? Ah oui, bah ouais, il est mort, enterré, brûlé. Brûlé d'Amérique. Comment ça, fils des putes d'Amérique? Pèse-nous de l'argent, toi! Mais on peut pas avoir une carte de fidélité, un truc comme ça, là, pour avoir des... C'est incroyable, ça! C'est pas incroyable! Je suis en train de la mettre en place, justement, mais ça va coûter cher. Eh, oui. Moi je suis un bon consommateur. Espèce de carte VIP. Ouais. Des bons clients, hein. Ouais, des bons clients, hein. Venez, on va à l'hôpital, on va demander des soins gratos. Normalement, on peut dans ce putain de pays quand on est un ancien soldat, non? Ah, je sais pas, hein, les gars. Ah oui, t'as des comme hier, tu es. Pas vraiment, ouais. Ah ouais, moi je suis un ancien soldat, du coup je pense que je suis assuré, non? Enfin, normalement. Bah ouais, je suis un ancien. Bah t'as fait quoi comme guerre? T'es enculé ou quoi? Deux Vietcong, trois Vietcong. Lâche-le. Eh bah c'est bon, il se me barre un coup, putain. Eh hey, monsieur, vous aurez pas une voiture à nous prêter? Une voiture éclatée, quoi. Si, à la fourrière. J'ai fait la tour, j'ai fait la fourrière, en plus j'ai un bon sur moi. Vous inquiétez pas, on a le permis, hein, les mecs, on a le permis. Hey, ils m'ont sauté il y a 24 ans. Ouais, on a le permis, ouais. Ah, moi, je l'ai jamais dit que... Ouais, on a le permis, vous inquiétez pas. On a le permis, ouais. Ouais, on l'a voir, ouais. Eh, c'est une belle titine, ça. Ouais, ça fait au moins 8 ans, je suis pas monté dans une bagnole. Oh, le cuir, l'odeur du cuir et tout, ça me rappelle ma grosse vache de femme. Attends. Pas de tâche, s'il vous plaît. On est obligé d'inaugurer la voiture. Fils de pute, t'as des égouts, c'est un estomac. C'est pas grave, j'ai la clim, j'ai la clim. On va en profiter, c'était la clim. Non. Eh, j'ai renversé un peu de terre sur le cuir, c'est pas très grave. Attends, je vais la lécher, t'inquiète. Attends, ouais, faut lécher la bière. Eh, je l'ai frotté. Un peu de salive et ça non, va. Non, mais les gars, ça va pas là. Et qu'est-ce qu'il y a, JT? Je sais pas, vous êtes des gros porcs, putain de merde, tenez-vous un peu à carreau, bordel. Mais on est des clochards, hein. Oui, mais des clochards classe, on est des clochasses, on est des clas, des. Voilà, mélange de clochards et de pape, là. Ouais, c'est ça, oui. Y'a que des fils de pute autour de nous. Toi, tu parles, t'as la haine, toi. Tu sais pas, c'est quoi dans ta vie, Serge Le Baiser? Tu nous raconteras ça, d'accord? C'est un petit tour d'un bon casse-d'aile. Ouais, y'a une cantine ici, c'est gratuit. Ok, elle est sortie, c'est une petite intruder de merde là. Ah non, parfait pour vous. C'est parfait pour nous, quoi. Ça va le faire. C'est laquelle? La noire là-bas, là? Là, ouais. Ouais, là, quand même un peu de classe, quand même. Ah ouais, incroyable. C'est bon, 3000 balles, ça. Attendez, j'accélère, j'arrive. Attention, les mecs, Dodan. Attention, les mecs au Dodan. Je te rejoins, doucement, putain. Je suis trop vieux pour ça, ouais. Oh putain, les Chinois, ça va ou quoi, les Chinois? C'est quoi le Chinois, ouais? Putain, les mecs, c'est code noir ce soir, c'est code noir, c'est tu pour nous, d'accord? C'est pas code jaune. Rends ta gueule, bah. Rentrez chez vous, casse-toi, Bah je vous la laisse. Ouais, merci monsieur Smith, c'est gentil. Mais pas de soucis, pas de soucis. On vous retrouve au Bahamas. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Au Bahamas. Merci. Putain, mais tu sais conduire? Allez. Allez, monte. Ta gueule, bah. La gueule. C'est moi, je vais te bourrer la gueule, enculé. Je vais devenir raciste, là, fais gaffe, toi. Elle m'oblige pas de faire ce que moi taille. Ouais, ta gueule, on est pas dans tes films de karaté kid. Range tes pieds, kid. Salut les Jackie Chan. Salut Jackie Chan. On est pas dans tes films de karaté kid. Dégage. JT, tu veux que je te tienne ta bière ou tu conduis avec? Attends, là je suis bourré là. Attends, t'inquiète. Oula. Fais gaffe. Bon, ça c'est accéléré, ça c'est freiné.
Ça, ouais, c'est marche arrière. Oh là, il a pété derrière. Droite. Ok, là, on est bon. C'est le retour de flamme derrière. Que... Oh. Là, on est bon. Attends, attends. Attends. Mais passe-moi ma bière, putain. Bah tiens, mais je te l'ai pas dit, non. Okay, attends, je te l'ai pas dit. Faut qu'on aille à l'hôpital parce que... Putain, j'ai mal, je me suis tapé contre le clochard. Tu sais où c'est l'hôpital? Bah non, je sais pas c'est où, mais on va essayer de demander c'est où. Attends, Oh mon dieu. Oh putain, mais on a fait un accident, là. C'est bon, pas besoin de la guardia, il va se débrouiller tout seul pour décider dans la coquille. Et vos gueules, on est clochard, bah. Quoi? Clochard, ta gueule, merde. Moi je l'ai défendu, moi, ce putain de pays. Voiture de salaire. Mais ça va pas. Je parle à toi, là. T'es pris couchou dans la cabeça ou c'est comment les hermanos là? La chance que je suis bourré, putain de merde. Mais non, c'est encore plus marrant. Ah oui, vas-y, je sors. Oh putain de merde. Eh, touchez pas agité, sinon, hein? Je veux que tu présentes tes excuses à la familia. C'est qui, ça, la familia? Dis pardonnez-moi la familia. C'est qui, moi? Je connais pas cette familia, moi. Mais juste dis pardonnez-moi la familia, je te jure, c'est nickel après. Attends, je suis bourré, attends 2 minutes. Agité, on les encule, la familia. Eh, tiens, je te pisse dessus, tiens, la familia, je vous pisse dessus. Mais ta gueule, va! C'est sûr que ta mère, je l'ai fait tourner, connard! Mais de la chance que je suis bourré! Bonsoir, messieurs, mettez-vous sur tout le temps en face là-bas. Mais bon, ça marche! Ouais, en face là-bas, s'il vous plaît. Vous avez de la chance, l'armée, il nous, hein? Allez, j'ai même pas senti, rien du tout! Ah oui? Je suis resté debout, j'ai rien senti! Bon, messieurs, là, déjà, lâchez votre bouteille d'alcool, là, s'il vous plaît, là! T'as dit quoi, Tortue Ninja? Je comprends pas. Votre bouteille, là, la bouteille d'alcool, là. Non, non, c'est par terre, là. C'est de l'eau, ça va, on a le droit de boire, putain de merde. C'est de l'eau, bon, très bien, d'accord. Une petite pièce. Bon, qu'est-ce qui se passait, là? Ils ont dit présenter des excuses à la familia. Il dit, tiens, tes excuses, je te pisse dessus, je m'en bats les couilles, tes excuses, à toi. Il a bien raison, JT. Et après, c'est parti en couille, comme on dit, quoi. Après, ils nous ont tabassé, mais moi, je suis resté debout, je suis pas tombé. Je vous promets, je suis pas tombé. Eh, on m'a dit que c'est le code noir en ce moment. C'est par rapport à nous, c'est ça? Par rapport à tout le monde, monsieur. Eh, c'est un peu raciste, ça, le code noir. Pourtant, il me semble que c'est le code le plus important. Toi, ta gueule, toi. Pardon, Serge, a raison, j'étais derrière le bureau, elle. Mais c'est vous, vous avez besoin de médecin ou pas, là? Ouais, bah là, on allait justement à l'hôpital, mais on sait pas c'est où. Ils arrivent, écoutez-les. Bon, une fois que vous serez soigné, d'accord, vous allez rentrer chez vous, d'accord? On va faire notre carte, on n'est pas à jour là. Tu respectes? Carte de quoi? Bah, carte d'identité. C'est grave, ah, ça. Bah, vous avez passé au poste, d'accord? Oui, mais on est passé, vous étiez en réunion à ce qu'il paraît. C'est pas fait du monde. Ah, bah oui, tout à fait. Quand vous êtes en Il y a une association qui s'appelle. Comment elle s'appelle là? Je me rappelle pas. Fondation Laroche. Oui, Laroche. Ah, ce qui paraît, ils aiment les gens comme nous. C'est moi qui l'ai fondé, apparemment. Toi, ta gueule, toi, laisse les Mais non, mais putain, mais Serge, écoutez-le pas, écoutez-le pas. N'écoutez pas, il est bourré. Ouais. Écoutez, nous sommes intéressés par votre aide, madame. Laisse-moi finir, Serge. Tiens, j'entends, mais il faudra changer vos propos et vos insinuations, messieurs. Nous sommes sur le baiser ma Mais ta gueule, mais putain, mais moi j'ai rien dit, madame, vous savez. Je l'ai avalé. Serge, il a une enfance difficile. On a tous nos problèmes dans la vie. Non, mais lui, c'est très grave. Lui, son père, sa mère, tout le monde lui est passé dessus. On fait pas un dessin, quoi. Il y aura pas assez de crayons de couleur, quoi, pour faire le dessin, quoi. Je vois. Voilà, écoutez, en ce moment, la fondation est un petit peu. Où la fondation, toi?
D'accord, elle est à l'arrêt, ouais. Ouais, je vois. En ce moment, vu ce qui se passe en ville. Mais dès que il se passe quoi en ville, justement, pour qu'on soit en Côte Noire, là. J'espère qu'elle va nous passer. Réalisez les nouvelles, lisez la presse, monsieur. Je sais pas lire, je suis désolé, j'ai les yeux défoncés. Merde, ça s'arrête donc jamais, cette histoire de merde, là. Toujours les terroristes. Bon, on va vous laisser, messieurs. Prends-toi un coup de licorne dans le huc. Les gars, mais vous voulez qu'on finisse en GAV, bande de cons, Dégage à la cuisine, toi, salope. Vous avez raison, c'est tous des fils de pute. Notre voiture, les mecs. Et salut, les gars. Je suis en train de courir, salut. T'avais longtemps que j'ai pas vu ça. Vous êtes des clochards, vous les pièces. Ta gueule, c'est ta mère, la clocharde. Je suis pas un clochard, d'accord. Sale bitch, va, bitch ace, va. Allez, mettez-vous sur le côté, je vais vous... Ta gueule. Mais attends, on va se régler, alors, ça se passe comme ça. Rentre, lui dedans, baise-le le premier. Ouais, viens là, attends, hé. Tu es pas bourré, ferme ta gueule. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Fils de pute, va. Viens là, toi. Serge, pousse-toi, je vais te baiser. Serge, pousse-toi. Serge. Je vais te baiser, va. Tiens. Briser les os, là. Tiens, la mère, je la prends en tourbillon sur mon bite. Les gars, je les ai tous couchés, je suis pas tombé une seule fois. Je les ai tous couchés, ces enfoirés de Viet Cong. Essayez de vous calmer et de ralentir sur l'alcool là. Je suis super calme. Je vous conseille de poser votre... Il y a des clochards, on leur a posé une piège et ils nous ont insulté là. Comment ça, d'accord? Il pue, voyons comment il pue, putain, tu t'es parasé les aisselles, ton torse, putain de merde. J'ai le droit d'avoir des poils sur le corps. N'appuie pas trop sur mon ventre, je vais pas bande d'immigrés, sortez de mon pays, putain de merde. Comment ça? Le constat. Pas trop sur mon ventre. Mais tu viens d'où, toi, avec ton accent de l'Arkansas? Tu représentes Bruxelles, sahbé. Je comprends, ton charabia, putain. Je viens de Bruxelles, ma biche. Mais t'es prêt pour ça, là, putain? J'aurais crevé, putain, sur le champ de bataille, c'est mieux. Quel champ de bataille? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, tu peux pas comprendre. T'appelles comment, toi? Moi, c'est Marwan. Ouais. Marwan. Ils sont où, je vais les coucher. C'est pas américain, ça, je reconnais. Ah si, c'est totalement américain, je suis américanisé. J'ai le visa, moi. Tu m'as traité de clochard, ben. Mais après, vous avez traité de sac à merde. Non, je t'ai retraité de clochard parce que t'as vraiment une tête de clochard. Mais on vous a proposé des pièces, on a été aimable avec vous. De toute façon, je suis pas bourré et personne m'a couché, je m'en bats les couilles. Personne t'a couché. Ouais. Monsieur, je vous ai bien rilé votre compte quand même. Je vais donner une petite pièce, au revoir. Bon, allez, au revoir. Je suis pas un clochard. Je m'occupe de son hôtel. Tenez, monsieur, ça pourrait vous aider. Mais je suis pas un clochard, enculé. Depuis quand je suis un clochard? Fils de pute, va! Serge, pousse-toi! Viens là, toi! Mange mon coude, va! Je suis pas tombé, j'ai juste glissé, personne m'a couché! J'ai juste glissé, enculé, va! Zach Bohan, arrêtez! Serge! Roberto, on se barre, y'a des flics! Désolé, messieurs, désolé. Putain, je vous ai dit d'arrêter, vous comprenez pas quoi?
Roberto, vite! Monte, on va se faire rafaler! Attendez, venez, on va. Allez, roulez, roulez! Mais non, mais Roberto, mais t'es con! Roberto, mais il est con! Mais Roberto! Merci, monsieur. Et je suis pas bourré, là! Si, si, il est totalement bourré, celui-là. Je suis clairement pas bourré, ta gueule! On a bouffé tout à l'heure! Allez, les mecs, on s'arrache, on s'arrache! On prend le droit de vous combrer comme ça, moi! Et qu'on vous recroise pas, vous, là, les immigrés, là! D'accord. Nous, c'est les Jamaïcains! Bande de Jamaïcains! Ça, ouais, je vais te faire chantonner comme Rihanna, tu vas voir, toi. On se reverra. Eh, comment on les a accouchés? Eh, t'as vu ça? Eh, je suis pas tombé une fois, j'ai juste glissé un moment, mais après je me suis relevé direct. Ouais, eh, tout pareil. Ouais, moi aussi c'est pareil. Eh, JT, j'ai une blague. Ouais, vas-y, je t'écoute. Ouais. Elle est pas mal, bien là. Allez, on est arrivé. Elle est pas mal. Allez, t'as vu ça, Serge? Putain, je suis bloqué, fils de pute. Pardon. Eh oh, la police, ouh, c'est doux. Eh oh. Serge, on dirait que t'as un casque sur la tête. Eh, t'as de l'herpès, toi. Mais toi, t'as un casque sur la tête, c'est dur. Hein? Ouais, toi, t'es vraiment le clochard pack premium, quoi. C'est vraiment le top, quoi. Oh non, c'est la moustache à Jeb Khaled, c'est tout ce que j'ai. Regarde ses cheveux, regarde ses cheveux, on dirait un putain de casque de moto, regarde. Et alors? Roberto, on dirait un professeur fou. Regarde-moi, hein, ouais, j'ai la classe, moi, je suis un clochard, je suis propre, quoi. Je vais avec ma pisse, ouais. Mais... ouais, t'es grave, toi, t'as une tête à t'appeler Belabé. Je crois que les flics, ils sont pas là, viens, on se barre. Et vous allez dormir où, ce soir, vous? Moi, je dors à la Belle Étoile, comme d'habitude. Ouais, mais tu dors vers où? J'ai appelé ça mon jardin. Ah oui? C'est où? Bouge-vous de la bagnole. Ouais, bouge la bagnole. Et merde. Oh, merde. Bouge la bagnole. Ouais. Vas-y, avance. Ouais, c'est bon. C'est bon, les mecs, montez! Faut qu'on se fasse un petit peu d'argent là, parce que c'est pas comme ça qu'on va gagner notre croûte, hein. Ouais, fume un peu là. Ça sent vraiment bon, quoi. Ouais, pas qu'un peu, hein. Fais gaffe. Les arbres, c'est bien bon, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, hein? Ça prend de la place pour rien, les arbres. Pas sûr, attention au dérapage. Hop là. Oh, les gars, tenez-vous bien, on va postuler pour devenir directeur de l'hôpital, d'accord? Oh putain. Ouais. Vas-y Serge, je te laisse parler parce que toi tu parles mieux que nous, t'as la tchatch. Allô, tu veux lui rentrer dans le cerveau au lieu de lui rentrer dans la grotte. Ça fait bien une petite bière là. Bonsoir mon salaud. Bah on vient pour l'entretien là pour devenir directeur. Faire de quoi, monsieur? Bah, on est où ici, à l'église? Les deux cons. Il est con lui. Ça part bien ça. On va devenir directeur, Tony Montana. Alors comment ça se passe? Malheureusement, je sais pas, je serais pas à vous répondre, monsieur Charles. Il ressemble à Neps, le con, regardez-le. Ouais, c'est vrai, on c'est la vivance. On a postulé par Telegram ou WhatsApp, je me rappelle plus. Et on a reçu une réponse positive et quoi, apparemment, il faut qu'on passe des tests, je sais pas quoi, un entretien pour devenir directeur de l'hôpital. Rien que ça, mon petit monsieur. Ouais. Ah, tu m'as donné envie de fumer. C'est ça, bonsoir. Fume avant que les femmes te fument. Oui, c'est ça, oui. Donc là, on est clairement prêt pour l'entretien, quoi. Ouais. Le monsieur en rose va vous recevoir. Oh, monsieur. C'est bien, c'est Super, bien. Super. Allez, on y va, beau gosse. Qu'est-ce que tu as, monsieur? Ouais, alors je t'explique quelque chose. Sur notre télécom, on a reçu un avis de passage. Elle vous a dit de venir pour postuler. Pour devenir directeur, quoi. Pour devenir les pédagogues. On va nous poser des questions, faudra qu'on réponde. Et si on l'a tout juste. Excusez-moi. Et si on l'a tout juste, bah. On l'a embauché, quoi. Donc là, on est là. Là, on s'est mis sur notre 31, voire même 32. Là, on est en 33 000. J'imagine bien. La question, elle est simple. Je peux même vous la poser ici, si vous voulez. Ouais, bien sûr. Vas-y. Eh, j'ai ramené tous mes diplômes. Allez, vas-y. Même sa maison, lui, allez, vas-y, toi, putain, vas-y. L'œuf ou la poule qui est arrivée en plus? L'omelette. Allez, viens, on y va, c'est bon. Deux cons, tu prends une affaire à nous, allez, viens. Allez, deux cons, va. C'est pas la vache qui fait du lait, quoi. Eh, viens. Viens. Allez, viens, viens, je vais te prendre par la chemise, là, viens là, viens. C'est pas incroyable, quoi. Ouais, test psychologique, là, où je sais pas quoi, la clochard. Ouais, test de moustique, je sais pas ce qu'il dit, là. Eh, les gars, vous avez rêvé ou pas? Hein? Eh, j'ai joué à Docteur Maboul juste avant de venir, vraiment, c'est bon, je suis calé, là. Et moi, j'ai arrêté l'école à 3 ans, quoi. Ouais, mais tu recommences même pas l'école à 3 ans, connard. Ouais, bah c'est ça, j'ai pas commencé. Et toi, Serge?
Je connais ni l'école, ni... Ah ouais. Moi, je peux dire que je connais plus la maîtresse que l'école, si vous voyez ce que je veux dire. Il me laisse aller au deuxième étage. Il est con, mais il est bon. Là, je me mets à l'aise, gamin. Là, je suis désolé, mais j'ai un problème de vessie en ce moment-là. Il a une petite vessie, excusez-le. Attends, je le rattrape. Hop, l'air. Bon, les mecs, les gars, s'il vous plaît, asseyez-vous bien. Voilà, faites bonne figure. Hop là, c'est bon. Vas-y. Je trébuche. Tu crois que j'ai ton temps ou quoi? J'ai des meufs à mes yeux, ok, là. Alors, vas-y. Les questions sont simples. Vous avez déjà pratiqué la médecine? Ouais, bah. Bah, évidemment. Et moi, sur le champ de bataille, hein. Et on serrait les dents, les fesses, et hop! J'ai enlevé les balles. Je suis gynécologue, moi, de base. J'ai même fait de la médecine chinoise, pour te dire. Alors que, de base, je suis américain. Pas un plus fort, hein. Serge. Hey! C'est tout ce que j'avais à dire. Alors c'est bon, on les prix. Oh putain de merde. On te parle. Eh, posez des questions là, allez-y. Oui, non mais alors je vous explique comment fonctionne l'hôpital. Ouais, faut travailler un minimum de 60 heures par jour. Moi, bon, c'est ce que je faisais en une demi-journée, je m'en bats les couilles. C'est ce qu'on fait tous les jours même. Et puis, si vous êtes motivé pour ça, c'est parfait. Hein. Attends, juste, l'alcool, c'est parce que moi ici, parce que nous, c'est pas qu'on aime bien boire, c'est juste qu'on aime pas être trop désaltéré, quoi, pour bien travailler. Et on a un des amis à nous qui aimeraient bien boire. Avant de prendre le service, c'est un minimum de 10 verres de vous. Mais c'est parfait. Bon, bah, c'est bien. Un minimum. On peut négocier plus tard ou pas plusieurs verres. D'accord. Bah, moi, c'est. Au niveau de la paye, et. Non. Niveau gonzesse, ça se passe comment? Enfin... Ah là, la question pertinente, putain! Bah, on a tout ce qu'il faut. On a tout parce qu'il faut me nettoyer le robinet, là! J'ai de l'herpès à côté du robinet, là! Après, là, pour ça, on a des internes, pour ça. Gueule! Nous, on aime bien tout ce qui est interne, on est bien rentré dedans et tout, nous, ça me dérange pas. Je suis explorateur, moi, j'adore aller dans la grotte. Oui, j'aime bien, ouais. Il s'entend les jambes ou pas les Je pensais que l'entretien ça allait être plus technique, mais en vrai, heureusement que j'ai un docteur Maboul avant de venir. Mais vous êtes quoi? Vous êtes directeur ou vous êtes quoi? Moi je suis directeur adjoint. Ah bah on est collègues alors. Bah les gars, c'est notre collègue. Bah c'est juste. Enchanté, collègue. On se fait la bise. Hop là, ouais. Hé, serre-moi la passe, gavard. Non, je rigole. Bon, et du coup, bah. Lâcher la choue, ouais. Écoutez, je vous envoie un message dès la semaine prochaine. Ouais, c'est vrai, on veut comme ça, Un salaire de. Un salaire de quoi? De 2$ par jour? Ouais. C'est énorme, mais pas autant quand même. Ouais, 2$, c'est plus que 1$. Allons pour un 1$. Ouais. Mais on fait du travail de fou, hein. Attention. Après, je peux peut-être même vous augmenter, je peux faire 0,5. Enfin, t'es en train de jouer avec nos couilles. On va te mêler, fils de pute, là. Tu nous prends pour des. Tu nous prends pour qui là? Tu crois qu'on est nul en géométrie ou quoi là? Tu crois qu'on est nul en géométrie? Vas-y, tiens, je te fais la passe, tiens, vas-y. Vas-y, rattrape-le. Attends, je te fais la passe, hop là. Non, mais non. Oh putain, mais Serge. Calmez-vous, Serge le baiser. Et tu le rattrapes. Mais non, mais c'est notre collègue, les gars, tranquille. Oui, c'est vrai, oui. Bon. Mais non, mais Serge! Putain, mais Serge! Calme-toi, enculé! Oh, mon, ça c'est moi, Serge! Bon, bah, monsieur, on repassera du coup semaine prochaine, c'est ça? Pas de problème, vous avez besoin de quelque chose sinon? Bonjour! Une nourriture ou une bière, ouais! C'est la porte! Bah, c'est vrai que dans mes poches, il y a rien du tout! Mais c'est pas comme ça, c'est comme ça! Une bouteille d'eau? Non, pas de l'eau! Mais je vais faire avec de l'eau, moi, je m'en bats les couilles de l'eau! Ah, là tu me parles, gamin! Ah, ouais, là tu me mets bien, là! Ah, t'es un bon! Ah, bah c'était pas un pec qu'il avait ce bâtard, c'est. Ah, ouais, c'est un entretien explosif, ça, putain! Ah, ouais, putain! Mais c'est quoi ce délire, là? Eh, attends, mais. C'est sous contrôle! On est au Vietnam, là, ou quoi, les mecs, là? Oh putain de merde! Ouais. J'ai entendu Bozo le clown péter, putain, il a sorti du nucléaire dans son cul! J'ai pété un truc, je savais pas que j'allais péter! C'est le busitage parce qu'on est devenu collègues, ouais, fallait nous le dire plus tôt! Ouais! Hein. Ouais. Ça pique un peu quand même là! Ah, c'est vrai que ça pique là! Ah, je crois que je suis embauché, les mecs! J'ai survécu! Ah oui! Ouais! Y'a rien qui t'a couché quoi! Vas-y, survécu moi aussi! Oh putain de merde! Alors, les petites natures là, allez, venez, on se barre! Allez, venez, C'est pour fêter notre arrivée, t'as capté? Ouais. Mais on a fait une arrivée tous les 30 et on est reparti en explosif, quoi. C'est très réaliste, quoi, ça brûle un peu, quoi. À bientôt, collègue, à la semaine prochaine. Va travailler, toi.
Et un plus clochard, bah, j'ai pas le permis. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Et du coup, j'ai ça dans Briège. Allez, viens, viens, on va au Bahama, je sais pas c'est où là. Ouais, ouais, c'est. Ouais, moi, il y a quelqu'un. Oh, c'est là-bas qu'il y a le directeur des alcools du Chibaco là. Et on veut Bahamas, Bahamas. Ah non, c'est... non, au commissariat là, faire la carte d'identité, venez. Attends, Bani, hé. Wow. Wow. Hey, il se passe quoi, les gars? C'est que. Mais là, on va au commissariat là, Faites demi-tour et vous passez par l'autre côté. Ta gueule, pars bien. Non, s'il te plaît, vas-y, putain. Hé, clochard. Ah, bah, j'ai rien à voir là-dedans, si vous voulez tirer, tirez. Hé, je t'emmerde. Oh putain. Il t'emmerde lui derrière là. T'infâme et ta gonzesse. Rien à branler, mon gars. Encore noir. Y'a des policiers au comico pour la carte d'identité là? Actuellement là, non, monsieur. Ah putain, fais chier. Il peut pas nous la faire la carte d'identité lui? Pas grave. Et c'est où le Bahamas Mas là? Bahamas, faut reprendre direction hôpital. Ouais. Et prenez direction hôpital, vous avez tout droit. Ah merci. Merci, c'est gentil. Pourriture à Clodo, va. Mais pourquoi vous insultez les gens comme ça? Ils ont rien fait. Je vais insulter toute la journée. Non, mais il était gentil. Personne qui nous dit bonjour. Vous êtes gentil, vous êtes pas gentil ou quoi là? On est. Ils ont plus d'un. Ouais. Comment c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Il se passe quoi là-bas? Il y a ta mère qui se fait soulever, voilà ce qui se passe là-bas. Voilà ce qui se passe. Elle se fait baiser par les flics. C'est une balance. Fils de pute. Alors là, vas-y, enculé. Remonte, on va le rentrer dedans lui. Enculé. Alors là, la voiture, je dis rien à perdre, c'est pas la mienne. Ouais, bah c'est quand même ma vie, moi, que j'ai à perdre quand même. Non, j'ai rien à branler, moi. Je vais retrouver mes camarades qui sont morts sur le champ, moi. Allez, la grand-mère là. Le pneu il est crevé là, les collègues. Mais c'est toi qui est crevé grave, là. Il est là, tiens. Attendez, je lui rentre dedans. Vas-y. Alors, on fait voir le malin, hein. Avec son body R8 là, je sais pas quoi là. Son body R8, ouais. Allez, vas-y. C'est bon. T'as dit quoi? Vous voulez que je crève un autre pneu, c'est ça? Bah, mais tu vas pas te crever, moi je vais crever, enculé là. Ah, on veut voir ça. Allez, on y va, les mecs. Allez, on y va. Allez, Serge. Non. Putain, mais Serge. Je vais devant, là. Je vais devant. Comment c'est où? Comment je vais? Serge, t'es une grosse merde, Serge. Le mec derrière, je te mets mon gros doigt de pied dans la bouche. Ferme ta gueule. Allez, saute de la voiture, dégage. Dégage ma tête, elle est. Mais comment je fais pour accélérer? C'est l'autre pédale, Serge. Putain, mais t'es con. Ok. Eh ouais, c'est le gang des clochards. Allez, on y va là. Putain, mais nouvelle caisse. Doucement. Désolé, pardon. Pardon, mon dieu. Oh, ça c'est la clope. Tu pètes la clope. Ouais, c'est une gauloise. Hop là. On va où là? Elles sont trop. C'est où Bahamas? Attends, laisse-moi conduire, bordel de merde. Fais gaffe, attends, je monte devant, je fais le copilote. Eh, mais on veut pas pour la bagnole. Eh non, bah je m'en bats les couilles, c'est pas la mienne. On veut pas pour la bagnole. Eh, une de perdue, une autre mieux de retrouver que. En même temps, ça fait 22 ans qu'ils m'ont sucré mon permis. Eh, pour quelle raison? Violence conjugale au port de mon véhicule. Violence conjugale, t'es où ça? T'avais pas de femme, tu connais que des putes. Ouais, bah j'étais avec une pute, j'ai dit que c'était ma femme. Ah, d'accord. Non, mais il conduit bien, con. Ah, ouais, il est super. T'avais, c'est un pilote, lui. Oh putain, fais gaffe. Wow. Oh, faites gaffe. Ouais, bon, on va se faire tirer dessus là. Civile, là, putain. Bon, allez, on s'en bat les couilles. Ouais, c'est bon, ça va. Ah, police, ta gueule. Ta gueule, je vais te dire un truc, hein. Eh, tu sais que j'en ai déjà couché au moins deux? Bizarre, des meufs? Des gamins. Boah! Bienvenue, il m'a fait une tête de pédophile, va! Mais non, j'en ai. T'es un baiser! Non, mais écoute, il y a un mec comme nous là, regardez! C'est pas ça, mais t'es fou! Oh, c'est pas des clochards! C'est mon oncle, Rabas! Quoi? Oh, Rabas! Salut, clochard, ça va? Alors, ça fait quoi être un clochard comme nous? Ouais, tu peux discuter, t'inquiète, allez, vas-y. On va s'asseoir. Attends, je vais mettre sur les genoux de JT. C'est quoi le truc dur là? C'est ma bière, t'es con ou quoi? En plus, on peut dire qu'il a trois fesses, l'enculé lui. Attends, venez, il y a un hélico. Attends. Mais putain, mais les flics, mais ils foutent quoi là-bas comme code noir, je comprends rien. Il me faudrait un policier là pour la carte d'identité. Allez, lâche ton téléphone, connard.
Ok, ok, attendez, attendez. Je vous rappelle. Attends, téléphone. Ouais, mon frère. Braqué. Bordel, qu'est-ce que vous voulez, là? What's up, braqué, là? Ouais, 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 mec, qu'est-ce qu'il y a? Putain. Carte d'identité aussi, on attend les flics. Mais ça sent le bandulot, ici. Ouais, ouais, ça sent la guerre, ça sent le vécu, gamin, si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais? De what's up, bambam, bambam, qui manque de respect, connard? Tranquille, tranquille. Manque de respect. Écoute, mon pote, tranquille. Hey, donne-moi une pièce. C'était pas méchant, putain. Donne-moi une pièce. Une pièce? Mais j'ai que dalle, moi aussi, je suis en train de me refaire, là. Ah ouais? Putain. Comment ça se fait? C'est qui t'a racketté, là? Moi, il y a des mecs, là, tout à l'heure. Ils sont venus, ils m'ont commencé à... Ils m'ont dit, ouais, écoute, qu'est-ce que tu fais dans le secteur? Vas-y. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Attends, mais laissez-les parler, putain, laissez-les parler. Ta gueule, tu veux que je t'en colle une ou quoi, le vieux? Ta gueule, colle-lui-en une, je peux te dire que nous, on va te rentrer dedans. C'est bon, tranquille, wagwan, les gars, y'a pas de. Mais c'est qui t'a raqueté du coup? Mec, là-bas, vers la plage, putain, je le connais même pas. Ah ouais, vers la plage, putain, mais tu foutais quoi à la plage? T'es pas assez bronzé comme ça ou quoi, gamin? J'ai un petit shop là-bas, j'essaye de monter, je suis en train de faire les travaux actuellement. Ah ouais, c'est un shop de quoi? De la CBD, mon pote, la qualidad. De la weed, mec, de la ganja, tout droit de Jamaïque. Mais bien sûr, le THC, ça m'a pété le crâne, ça m'a pété le crâne. C'est ce qui a causé ma perte, putain de merde. Mais il y a aussi l'alcool là, ce que t'as dans les mains. Ah ouais, ça on aime bien ça, tous les trois on aime bien l'alcool hein. J'adore ça. Alors là c'est vraiment ma passion quoi. C'est quoi vos blazes à vous? Ben moi c'est Jackson Taylor et toi? Yo, moi c'est Maddox. Vas-y, ça c'est Serge. Et ici. Serge. Et moi c'est Fred. Et moi. Et Fred. Fred l'alcoolique oui. Et vous voulez que je fasse une musique? Vas-y. Vas-y, on t'écoute mec. Ok, ok. Au vent du rêve, au vent du rêve. T'es levé au vent du rêve, au vent du rêve, au vent du rêve. Oh, oh, C'est bon, tu vas reculer, tu vas casser les couilles. Putain, j'ai pris une photo, ce con, je vais le mettre sur internet. Ouais, le Jamaïcain, bientôt. Regarde, c'est en train de faire quoi là? Putain de merde. C'est quoi ça, moi, autant m'attends. Eh, les gars, vous voulez pas qu'on tente notre chance au casino? Moi, qu'on devienne riche. J'ai tout perdu là-bas, alors. Viens, on y retourne, on va essayer de reprendre. Reprendre du poil de la bête. Quand j'étais gamin, j'étais chanteur, je faisais écouter la musique. C'est la musique du Maghreb, allez, c'est parti. Clochard, hein? C'est ton pièce, le pignon. Quand j'étais petit, Elle est bien la musique, hein. Espèce de clochard. C'est quoi cette merde? Espèce de clochard. J'ai pas d'avenir. J'ai pas d'avenir. Et je mange des kiwis. Et j'ai envie de faire pipi. Dans la cabine. La cabine. Ouais, je veux bien. T'as bien joué, moi. C'est quoi cette merde, putain? Mais c'est quoi ça? Elle est bien la musique, ben. T'as baisé le système. Elle est dans le thème, la musique de clochard. Ouais, tu me rappelles Julien, là, le mec qui chante à Marseille. Mais genre, t'es content d'être un clochard, tellement content que t'en as fait une musique, quoi. Ouais, c'est quand j'étais petit, ouais. Ah oui, allez, on y va. Bonne musique, là. Oh, ça fait depuis au moins en 2012, quoi. Est-ce qu'il a, mon vrai, pute, ferme ta gueule, toi, culé. Je mets toutes mes économies, j'ai 100$. Moi j'ai 2000, je mets tout dans les jetons, j'en ai rien à foutre. Allez, vas-y. Ah ouais? Ah ouais, je te jure. Eh bien, on va baiser le système. Tout baiser. Bonjour. Salut. Ta gueule. C'est qui m'a insulté là? Je vais te déclencher. On va être riche. C'est Serge qui t'a insulté. Oh, allez. JIT. 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 Un bon d'achat. JIT. 150$ au mécano, mais j'ai même pas de bagnole, enculé. Bah ben non, putain, je vais pas être voulu. Allez, toi, Serge. Serge. Allez, ferme. Dis pas mon prénom comme ça, madame, tu vas me faire bah, dire putain. Comment c'est Serge, il s'appelle Serge le baiser. Ouais, c'est... Le mignon. Vous avez gagné, what? 15 000 jetons. Dommage, mon d'achat. Mais je te jure, j'ai gagné 15 000 jetons, putain! Ah ouais! C'est ça! Sérieux, t'as pas. Ah ouais, c'est vrai! 15 000 jetons, putain! Ouais. Fils de pute, je te braque, donne-moi les 15 000! Toi, ferme si c'est toi, je te donne! Mais non, mais Serge, mais t'es un malade! Doucement, je parlais à Bozo! Mais quoi? Qui c'est à moi? Bozo, viens me sucer, je te donne 500! Allez, viens! J'ai gagné 15 000, putain! Allez! À mon tour! Je peux t'en donner. Pas vu, okay. Allez-y, portez-moi l'œil, allez-y. Vas-y, 2, 3. Allez. Ramzavi Reinik.
Credo, Credo. Clochard, Clochard. Et un bon d'achat, putain de merde. Un bon d'achat. Bon bah, tant pis. Hein. Allez, il va pas. Bah, allez, bon courage, monsieur Dab. Ah, bon courage. T'es casse de dos, c'est énorme. Mais monsieur, vous avez pas trop mal. Eh, mais t'as su riche. Vous avez pas trop mal. Ferme ta gueule. Mais elle a quoi? Mais elle a quoi? Attends, mais 15 000 jetons, je peux pas les reprendre en argent. Mais si, 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 là, tu les changes. J'y vais, là. Tu dis, donne-moi des jetons, donne-moi des jetons. Ah, t'es jaloux qu'il ait gagné 15 000 à vous. Moi, l'autre clochard. Ouais, double face, là, ouais, ouais, toi. Comment ça, double face? Ouais, double face. 2005. C'est vrai que t'es double face. Oh, la thune que j'ai. Au revoir. Bah, c'est bon, je te marque à la sortie du casino, j'en ai rien à foutre. Tu vas voir, toi. Eh oh, tout le casino, il a 15 000 dollars. Eh ouais, les meufs, et 15 000. Il a vraiment gagné 15 000, gars. Ouais, eh oui. Ouais, non, ouais. Non, mais allô, si Javi était vous, je l'aurais attendu à la sortie, quoi. Ah ouais, je l'aurais tabassé sa grand-mère, quoi. Putain, 15 000, bah viens, viens, on se prend une putain de baraque, on invite des meufs et tout. Vas-y, viens, on y va. Une baraque? On y va, ouais. Ça fait 8 ans, je suis dans la rue, moi. Bah, justement. Eh, vous savez pourquoi j'ai perdu mon argent? Parce que j'étais généreux. Eh ben, vous savez ce qu'on va faire? Ouais, on va continuer de l'être. Ouais. 4000. C'est 5000. Ouais. Oh, t'es, ouais. T'es un bon, toi. T'es un bon clochard. Ouais. Ah, tu devrais arrêter de conduire, de boire, par contre, au volant. Ouais. Ouais, ta gueule. Ça a commencé à faire beaucoup, parce que depuis tout à l'heure, Mais je suis trop riche pour crever. Le moteur il est mort. Dehors, regarde. Ah oui, ça va. Ah ouais, mais là, c'est une menthe, une chicha menthe pomme là. C'est... Là, ça fume vraiment les mecs. Ça pue. Serge, faut qu'on se fasse une chicha là dans la voiture, mais. Tu sais, j'ai pensé à quoi, moi? Dis-moi. Eh, putain, je suis riche. Et comment ça? On est riche. Ouais, on est riche. Ouais, on est riche. On est riche. On est super riche. Maintenant, on n'est plus des clochards. Bozo. Ouais, c'est moi, T'as bien fait de me dire de passer deuxième. sinon, c'était toi qui avais 15 000. C'est sûr, il n'avait pas partagé, l'enculé. Lui, c'est sûr que non. On est les clochards les plus classe de Los Santos, quoi. Exactement. Imagine, on est des clochards avec de l'argent, on achète quoi? Continue. L'alcool, connard, va. Des cigarettes et des putes. Ouais, vous voyez un magasin à putes ou pas, là? Je sais pas, bah faut demander, ouais. Je sais pas s'ils en vendent ici, ouais. Je crois, j'ai fermé. Jamais sorti de l'aéroport, moi. C'est quoi ce... Eh, moi, je restais en dessous, là, des canalisations, ouais. Putain, mais elle est trop bien, ma caisse. Salut, monsieur. Oh, c'est pas vrai, ça va, tranquille, bien. Ouais, ça va. Ça va, super. La prochaine fois, les mecs, mettez-vous là directement. Non, on a de l'argent, mais on n'est pas des clochards. Non, on a de l'argent. Il a raison, on a gagné au casino. On a gagné 15 000 au casino. 15 000. Félicitations, messieurs. Ouais. Comme ça fait Rainik. Pas bourré, juste un petit peu bu trop d'eau, c'est tout. Ah non, mais j'en doute pas. Hein. Vous sentez l'eau aromatisée de la bonne eau de source. Vous nettoyez sur votre magnifique caisse. Ah, monsieur, arrêtez, monsieur, c'est mon responsable. Arrêtez. Un abranlé, moi, tu veux qu'on le fasse sur toi? Vas-y, fais-le. Tu reviens plus ici jamais. Ouais. Vas-y, tu reviens plus jamais ici. Tu parles à moi, Allez, Serge, colle-lui une mandale. Et par contre, tu touches pas à Serge, toi. Putain, vous trois, vous êtes pas prêts de vous battre. On est riche, nous, on va t'acheter. Comment ça, vous êtes riche? On a gagné 15 000 au casino. Alors, tu vas faire quoi? Vous avez gagné 15 000 au casino? Il a gagné, ouais, je me disais un peu mieux. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Quoi, tu veux te battre? Non, toi, tu veux te battre, toi. Toi, tu veux te battre? Toi, tu veux te battre? Allez, viens. Vous êtes qui, les trois, là? Alors on est gang des clochards, voilà. Le gang des clochards. Le plus classe de Los Santos, oui. On est des clochards riches, monsieur, Pouilleux. Les gars, vous voulez qu'on achète une petite bagnole ou quoi, là? Oh, de la bière, d'abord. Bagnole à trois. On peut tirer dessus, nous. Ils font quoi, là? Ils se branlent les couilles ou quoi? Je sais pas ce qu'ils font. C'est des fils des... Vas-y, parle-leur, là. Bande d'enfoirés. Ta gueule, c'est le gang des clochards. La minette, là. La minette, là. La minette.
Clochard, va. De soumis. Mais bon, c'est notre territoire, l'évêque. Bien joué, eh bien joué, j'ai vu ça. Ouais, t'as vu comment je l'ai intimidé, je lui ai tapé dans le cul, il a bougé. Ouais, j'ai vu ça. On gagne en XP, là. Oh, pas mal, c'est... Hey, salut, c'est le gang des clochards, oh merde. Serge, je peux renifler ton huc, Serge. Bah, y'a pas de problème. Attends, on peut acheter quoi, là, du coup, avec 400$. Alors, oh, l'odeur. Bah, vas-y, tiens, je te donne 15 000, là. On prend une caravane, nous. Ça, c'est cher. Y'a celle-là, si tu veux. Y'a celle-là. Oh, les gars, y'a ça, c'est super, ça. Ah ouais, mais attends. T'es dans le... 4 000$, c'est bien, ça, 4 000$. Non, mais, regarde. Mon ami, regarde le gamin, là. Il est... Alors, il t'arrive quoi, connard? J'ai pris un coup de caravane. Comment il s'appelle, lui? Ouais, vas-y, le camping-car, il était bien, là, on peut dormir dedans. J'ai rien à foutre, j'ai rien à branler, vas-y, on prend le camping-car. Ouais, merci, JT. Ah, celui-là, il est bien, on peut partir à la plage. Bah, vas-y, alors, bah, paye, hein, qu'est-ce que je te dis? C'est un investissement à court terme, long terme, moyen terme. C'est... Mais là, attends, ton compte bancaire. Venez, rentrez, Le magasin est fermé, c'est à nous. Voilà. Bande de trous du cul, je suis retrouvé. Et toi aussi, t'avances, on t'empoisonne. T'es qui, toi? Écoutez-moi bien, la prochaine fois, vous prenez ma coachée, c'est vos têtes que j'arrache, ok? Robert, je la prends devant toi, je m'en bats les couilles, reste là, toi. Allez, roule, dégage, clochard. Bah, finalement, elle est bien, cette caisse. Il est con, ah, il est con, il est monté où, l'autre con? Je suis là. Ah oui, c'est bon. Oh merde, il est là. Ah bah t'es là, toi. Merde. Mais t'es monté comment, toi? Je sais pas. Ah oui. Dégage. Descends de là, enculé, là. Descends de là, enculé, je te pousse, casse-toi de là, clochard, va. T'auras le sida, connard.